Dur, prochaine destination.少しは黙っておれんのか。虫が騒ぐから余計に揺れるだろう。大丈夫。スフィーダの推進力なら一気に突き抜けられる。 Ah oui, on était déjà venu là, c'est vrai. Je m'en souvenais pas en fait. Dans le premier opus, j'entends. なんか息の詰まる感じ。でも感じなだけで思ったより澄んでるのね。神々の戦いから千年だ。汚れも少しは落ちたのだろう。 あれ土の民じゃない。あの仮面見覚えがある。ほら、こっち見てる。あの人たち何？仮面をつけてないぞ。変な人形もいる。怪しいぞ。クラムリさんに知らせよ。あ、ちょっと。行っちゃったわね。あんな小さな子がいるってことは。 この近くに村か町があるのよ。追いかけましょう。Allons-y. ほらほら、あそこ。あの辺りに住んでるんだよ。行ってみよう。 Encore 2 mois avant la sortie du dernier film, Dragon Ball, c'est trop long. Il est pas encore dispo. Comment dire, en nom physique. Le village d'Algorab. Le village reculé. あの人たちは、そうだ、私のお客なんだ。 アルゴラブに遊びに来たんだよ。なんだ、クラムリさんの知り合いか。もっと面白いものかと思ったのに。En tout cas, il connaît Guillo. そういうわけだ。さあ、みんな戻った戻った。 どういうことなんです? あなたとは初めてお会いしますけど。 詳しい話は後だ。 まずは私の家において、ここでは目立って仕方ない。確かにな。見ろ、さっきのガキども、まだこっちを見ておるぞ。このこの身体は喋るのか。身体？何のこと？すまん、とにかくこちらへ。 わしによく似た人形がここにもある。そういうのか。そうだ、我々の王者ダイカムロ様のもとで保管されている。 そ,
それで驚いてたのね。ああ、人形と思っていた身体が喋り出した時はもっと驚いたがね。その身体を見せてもらうことはできませんか？それは大カムロ様が決めることだ。自分で言って聞いてみるがいい。大カムロ様は土の民の歴史を継ぐお方だ。きっと何かわかるだろう。この村の西、玄馬村におられる。ここからすぐだ。なんなら共に行こう。ありがとうございます。それじゃあ早速。待ちたまえ。どうした？空から来たと言ったな。ええ、それが何か。我々土の民はここ200年近く空の民を迎えたことがない。余計な混乱を招きたくないのだ。民たちには君たちを私の友人ということにしておく。無論土の民であるとしてだ。でも私たちには仮面がないわよ。このポンコツ人形はさすがに馴染んでるけど。仮面については気にしなくていい。対戦で汚れた大気も過去の話だ。今は影響もなくてな。我らも装飾品として身につけているだけなのだ。わかりました。おっしゃる通りにします。ん？では行こうか。 On veut les réponses。Ah oui, il faudrait que je trouve du feu. Il y en a là. C'est une petite flamme. C'est pas la folie, ça. L'idée, c'est de mélanger à ça. Non. Surtout pas.Ouais, t'aimerais bien choper une version physique, un Blu-ray. Faut voir s'ils font un joli steelbook. Ça veut pas ? Pas assez la petite flamme. Faut peut-être un feu ardent. Ça c'est pas mal. On va acheter la petite. Et puis si ça veut pas, bah tant pis. Je sais pas ce que j'en ferai. Aha! Je me demande si j'attends. Ou si j'en mets d'autres à cramer. C'est peut-être juste pour les réveiller, ça, en fait. Je vais pas me poser la question, j'ai 3 places. Let's go!Pour une fois que je trouve un truc. Bon, je peux prendre 2 flammes de plus, mais à mon avis, je vais pas pouvoir les conserver trop longtemps. Elles vont vite s'éteindre, en fait. Hein. Après, normalement, c'est en fonction du nombre de combats que le creuset s'active. On verra ça.Quand même faire le tour vite fait du village. Allez. Ah mais d'ailleurs avec les recettes là, je vais savoir. Un cactus primordial.
Déjà, il y a ça, ça donne un truc. On verra la suite. Je sais pas, mais j'aimerais bien choper une belle version. Ah, je suis en train de relire ce que t'as déjà écrit. Il me semble avoir vu un steelbook, mais je sais pas si c'est cette version. Enfin, si c'est ce film-là. Qu'il y a un magasin en bas à droite là. On achète évidemment. Sophia de Thor. Oh. Ouais, je vais utiliser des bons, hein, parce qu'à chaque fois je me fais avoir. En plus j'en ai 4. Ouais, c'est pas fameux, hein. Oh, sympa ça. Rend des points de vie à l'équipe 20%. C'est correct. Sur un petit 2000, ça fait 400. Ça, c'est pour tout le monde. Ça tombe bien, c'est ce qu'il me fallait. Bah voilà. Ok, ça c'est correct. Ah. J'arrête pas de me gourer. Je vais jamais sortir du menu. On se calme. Ok, on va vite fait mettre ce truc. Combien ils ont de points de vie les autres? 1920, 1790, ça fait combien 20% de 1790? Si quelqu'un... c'est faire le calcul vite fait, sinon l'iPhone il va le faire. Si je retrouve la calculette. Hop. 1790. 358. Ça reste un petit peu meilleur pour le moment. Mais ça dépend des persos. Ah mais ça coûte un point quand même de combo, donc ça reste relativement plus intéressant. On va quand même virer ce machin au profit de ça. Parce que la potion à 500, ça vaut plus trop le coup quand il y en a une qui rend 400 points de vie à tout le monde. Le calcul est vite fait. Hein. 83 et 41 partout. C'est mieux ça. Empêche de tomber à terre, empêche le coma, rend des PM. C'est vraiment pas mal, hein. On va peut-être retirer une des épées. Après tout, j'en ai gardé un de chaque. Enfin, un pour chacun. Et deux trucs bonus, parce qu'ils sont vraiment pas mal. Quoique celui-là, il commence à être un petit peu light. Hein. Ouais. On va mettre ça. Ça rend quasiment que dalle en fait. Ça c'est peut-être plus intéressant. Mais attends, c'est fou ça, non? 78. Oh non. J'avais déjà mieux en fait. Bon, on va laisser comme ça. Une petite save. Non, on va voir les 30 aussi, ouais.
Il s'est rien passé. Il m'a dit ouais, t'es passé niveau 17. Génial. Et maintenant? Maintenant, on sauvegarde. Et je crois que... Ah, je me souviens plus dans le premier opus, mais je crois que c'est ici qu'il y a un labyrinthe de malades. On va voir ça. Ah, je me souviens de ce truc, purée. Le village de Gemma. Le village observateur. Salut Nato, ouais j'ai réussi, merci encore pour ton aide. Le seul fait que t'aies confirmé que ça... Enfin que le problème était sur tous les PC, ça m'a permis de comprendre que c'était la version quoi. Hein? Eh hey, monsieur, comment ça se fait que vous ne flottez pas? Ma maman dit que si tu te relâches en gardant les pieds sur terre, ça affaiblit ta magie. J'aurais peut-être dû garder des bons pour ici en fait. Peut-être. Un tour de défense. On va la prendre pour la collection. Empoisonne et endort. Il faut quoi pour ça? Une fève géante qui pousse dans la forêt. Un début de dépression de la chaîne, on a évité? Mec, jamais de la vie. Ah ouais, c'est la galère avec les TP ici. Eh, hey, c'est quoi le problème? Vous voulez un masque, c'est bien ça? Eh, hey, toxique, est-ce qu'on prend un masque? J'en veux un. Alors ramenez-moi de l'alcool. Je veux du cidre de pomme des montagnes. Apportez-en et je vous donnerai un masque. Je veux surtout que tu bouges pour récupérer le coffre. Hé. Merde, Cédric est dans le jeu. Bon. Du cidre de pomme des montagnes. Ouais, j'ai trouvé 5000 balles. C'était les économies de quelqu'un, rien à foutre. $25 000, mais vas-y, touche-toi avec ton bon, mon gars. $5 000, c'est mon sub, rends-le-moi. Tu sais pas ce que c'est. Arrête de mytho. C'est bizarre, là, il y a des sens interdits, là, c'est vert. Bon, on a fait le tour, hein.
大カムロ様、お客人です。何事です、クラムリ。おお、カムロも来ていたか。ちょうどいい、大変な客人が。少々しのクラムリ。ああ、気をつけます。して、何事か。ただ慌てているわけでもあるまい。はい、彼らが。ほっ、こいつは驚いた。主たち。構わん、大カムロ様には何でもお話しするといい。Tu confonds les subs et les follow, gars. はい、僕たちは空から来ました。空？して、どちらの浮島かな？彼女はアルファルド。僕とギロはハッサレーです。ハッサレー？ハッサレーと言ったのか？まさかそんな。いや、だからこそその人形も残ったか。空に浮かんだ大陸はアルファルド、ディアデン、サダルスード、アヌエヌエ。そして今は姿を消しているミラ。この5つだと思いましたが、ハッサレーと。ハッサレーは千年前、神々の戦いが行われた戦場でな。Je savais que t'allais dire que c'était Zeno, le mec en bleu gare. J'attendais que tu le dises. クヤム、アトリアといった古代の都市があった一帯の名だ。わしらの先祖が空に上げた大陸は確かに五つ。ハッサレーはその中にはない。では、なぜハッサレーが空に？かの大戦では、多くの神が滅せられたと伝え聞く。ハッサレーは大戦の主戦場だった。残された神の屍が大陸に力をため。クラムリ、カムロ、主たちは外してくれんか？この子らと話をしたい。わかりました。仰せの通りに。主らもよいな。はい。さあ、その扉の奥へ入られよ。遥か古代から伝わる人形でな。セギヌスと呼んでいる。触れても構わぬか。構わんよ。主と寸分たがわぬ人形だ。何かしら関係があるのだろう。でもいいのかな。Bien sûr. そういうなら。触れるぞ。
Séguinus, l'étrange poupée. C'est le bordel dedans, hein. そんな気がする。古代の世界の次は人形の中なんてね。どれだけ驚けばいいのよ。そうふてくされるな。お預けされた猫ウサギでももう少し愛想がいいぞ。分かってるわよ。 Ouais, moi aussi. さあ、ミリアルでスマヌが付き合ってくれ。この通りだ。何よ。気持ち悪いわね。私は嫌なんて言ってないんだから。さあ、行きましょう。 En tout cas, il y a des bêtes bizarres. Des souvenirs, je sais pas. Oh, il fait mal celui-là. En vérité, je devrais peut-être défoncer celui du centre avant. Ceux-là, ils sont un petit peu moins dangereux, à mon sens. Ah, je me suis bourré de boutons. Personne de près. Oh, ça va, il crève vite en fait. Je suis pas convaincu par les attaques de Shadow là. Ah. Oula. Bon. Apparemment c'était pas le bon truc à faire. Ça donne un tas de suie. Rassemblez-en assez et observez ce qui se passe.
D'accord. Bon. Combien il en faut? Je sais qu'il y a une recette où il y en a plein. Ça se trouve, c'est celle-ci. Et j'aurais jamais la place d'en mettre 7. Ou c'est ailleurs? Je vais essayer de la combiner, on verra bien. Du coup, faisons de la place. De toute façon, elles ne servent à rien, les branches. Ouais, il est stylé avec ses ailes quand même, Guilo. Faudrait que je trouve le premier pouvoir Shadow. Voir ce que ça donne en fait. Oh là là. Level 5. On va attendre que les poteaux soient prêts. Je me suis gouré de boutons encore. Ah, évidemment, il n'y a rien derrière. Bon, tant pis. J'ai fait n'importe quoi. Pire que ça, potentiellement, je me suis mis dans une sauce monstrueuse. Bon, ça en vierge, je vais pas pouvoir en faire tout de suite. Encore une. Encore deux, j'ai envie de dire. Ah ah! Non? Non. Je sais pas trop comment ça marche après. Ah. Là, les deux, je pouvais. Ok. Il me reste celle-ci, mais j'ai... Si, j'ai une place, c'est bon. Ouais, j'y vais complètement au hasard. Enfin, pas tout à fait, en fait. Ça m'indiquait que les branches pouvaient les brûler et qu'elles avaient aucune autre utilité, donc... Je me suis lancé, quoi. On verra bien. Déjà level 5. Ça monte beaucoup trop vite. C'est trop bien. T'as des listes pour les combinaisons? Ouais, je sais, mais la plupart elles ont un point d'interrogation. Après, il y en a sur le net, mais j'ai pas envie de regarder en fait. J'y vais au pifomètre, mec. Ah,
Ouais, tu voulais dire sur internet. C'est vrai qu'il y a sans doute des Magnus très très bons à débloquer de cette manière. Mais bon. C'est pas grave. Ça, on va le garder pour le cas où. Ils font mal quand même un peu. Mais ils ont pas tant de vie que ça. Vraiment la zone la plus compliquée que j'ai trouvée jusqu'à maintenant, c'est la jungle. Hein. Je me suis fait claquer le béni dans la jungle. Ouais, j'aurais pu soigner. Ah, oh, y a pas eu que le piaf avec, hein. Même les petits ennemis dans la jungle. Bah, c'était plus des petits ennemis du coup. Je me suis mangé quelques game over. Hein. Là, ça va en fait. Après, il y a eu d'autres boss où j'ai rencontré quelques difficultés, mais ça va quoi. Ah, il y a une... Je sais pas si vous le voyez sur le stream. Il y a une silhouette. Celle de Guilo d'ailleurs, puisque on voit les espèces de talons. J'avais pas vu au premier coup d'œil. Bon, on va voir ce que ça donne tout ça. Ah, j'aurais dû le laisser dedans. Est-ce qu'on peut le remettre? Non. Tu l'avais vu avant le combat? J'avais pas fait attention. Un dessin à forme humaine est représenté sur le sol. Est-ce une énigme? T'aimes bien? Tu penses que c'est Seginus plutôt? Sans doute. Tu penses bien à mon avis. Il y avait l'air d'avoir 4 espèces de réceptacles. C'est une huître. Donc ça se trouve, il y en avait 4 à l'origine. Peut-être qu'on va voir les autres, j'en sais rien. Peut-être que c'est un gang. Tu vois, on leur fait pas très mal à ces coquillages-là. Hein. De potion là. Bonsoir Fudoa, merci pour ton prime, c'est très sympa. En fait, l'autre il tape hyper fort, celui du milieu, mais il a pas de point de vie. Et je crois que c'était ça la difficulté dans la jungle. C'est que les ennemis avaient beaucoup de points de vie et ils tapaient fort.
ça je le ferai pas. En fait, j'aime bien comment ils ont pu entre guillemets innover avec le système de cartes entre les deux jeux. Ils ont gardé plus ou moins le même principe, mais tu peux pas faire les mêmes choses. Finalement, dans le premier, c'était assez poker-like, quoi. Tu pouvais faire des suites, que ce soit à l'endroit, à l'envers. Tu pouvais faire des paires, des brelans. Ah, il faut que j'en rajoute une. On dirait bien. On va voir. Faut peut-être que je bute tous les ennemis de la zone pour que ça s'ouvre. Jusqu'à maintenant, ça n'existait pas ça, mais on va voir. Non, mais il a pris super cher, j'avais pas vu. Et moi je suis en train de ranger mes cartes tranquillou. On va pas prendre de risque. Hein. Là je me mange pas de game over ici. Hein. Enfin, on va tâcher d'éviter quoi. Non. Balancer un quand même. Je me suis bourré de boutons. Du coup, j'ai viré le machin. Ah, c'était pas grave. Ça permet juste d'avoir des points de technique. Apparemment, là, je suis au max. Hein. Enfin, je pense. Je suis à quel niveau? Classe de jeu 17. Je sais pas trop ce que ça apporte de plus, maintenant je peux tellement défausser de cartes que ouais, l'intérêt doit être assez moindre. Putain, mais il a une attaque lui, monstrueuse. Hein. Par contre il a une défense nulle à chier. Alors, je ne peux rien rajouter pour le moment. Il faudrait que ça, ça se termine. Ah oui mais du coup c'est pas bon ça. J'ai mélangé deux tas de suie et là j'en ai mélangé trois. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Je peux pas. En fait, c'était une erreur ce que j'ai fait. Yeah!
Ouais, le soin va tomber à point nommé. Mince, il y avait le petit 2 là. Salut Tidros, qu'est-ce qui se passe-t-il? T'as l'air un peu trop enjoué, c'est suspect, mec. C'est pas devenu bizarre ce monde quand même? Rien, j'essaie d'avoir une salutation différente chaque jour. Bah, c'est réussi. Bien le bonsoir, très cher Tidros. Oh, c'est quoi cette attaque? Rituel du nécromancien? C'est une combinaison de deux combos. Hein. Il a vraiment des attaques stylées, Guilo. Alors du coup ça a donné quoi ça? Ah là, je suis dans la sauce. Comment je fais pour les sortir? Je rajoute de la suie. Bonsoir alchimiste, comment ça va? Comme d'hab, passage rapide. Ça roule, c'est gentil. Oh, les flammes, ça fait bien mal en vrai. Ça va super, merci. Il n'y a que des personnes de qualité sur ce stream. C'est pas faux. Bon, je peux se permettre là, non? Je me suis encore gouré, mais c'est pas possible! Oh, ça va être très très sale. Dans deux jours, c'est le grand jeu, ouais. Ah, je crois que c'est un record. Il me semble bien. Parlant du grand jeu, tu penses le streamer direct? Ouais, oh, ouais, vendredi, ouais. Bon, si je le reçois demain, peut-être que je commencerai demain. Parce que de toute façon, j'aurais pas fini Baton Kaitos, quoi qu'il arrive. On verra, mais je pense que je l'aurai vendredi. En fait, j'ai pas envie de courir après le jeu, quoi. Ah ah! Y'a le matériel. D'accord, faut allumer toutes les parties. T'es qu'une bouche de vieille, Omikami.
Qu'est-ce que c'était? Quelle étrange sensation. Oh, c'est trop bizarre.